Alors, salut à tous. Donc, je vous ai déjà fait donc le déballage de la 3DS XL. Maintenant, je vais faire le déballage donc de Professeur Layton et l'héritage des Aslantes. Donc, vous pouvez voir déjà la boîte, hein, voilà. Donc, plus de 500 énigmes, dont 365 téléchargeables. Voilà. Donc, on a en tout plus de 500 énigmes. Voilà. Donc, là, il y a voyez un peu donc la photo, voilà, donc c'est mon premier sur 3DS. Voilà, j'en avais déjà eu 3 sur DS et c'est mon tout premier sur 3DS. Donc voilà, donc voyez, donc là il me montre un peu tous les personnages, voilà. Donc on va l'ouvrir. Hop, donc là il y a le petit truc comme ça, donc dans les deux donc dans les deux boîtes donc il y aura ça. Donc, voilà. Hop, là. Et comme ça se défait tout seul. Ça va être un peu compliqué. Mais je pense que ça devrait le faire. Hop. Donc, je suis un peu désolée que vous voyez pas très bien, mais c'est pas facile. Est-ce que je peux vous poser? Alors, attendez, je vais peut-être faire quelque chose. Voilà, peut-être comme ça tient. Voilà. Et voilà. Hop. Oh, pardon. Alors, là, vous avez donc la boîte, hein, voilà. Donc, bon, bah, je vais pas vous la remontrer, hein, vous savez, vous l'avez déjà vu. Hop. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Ah, donc nous avons ceci. Ouh, magnifique. Donc, on va retourner après. On va pousser un peu ça, les papiers. Donc alors nous avons donc là donc le code. Donc ce qui est très bien, c'est que je ne sais pas pourquoi ils le mettent pas pareil pour les autres, pour quand on déballe une console. Mais voilà, donc ils ont mis un petit truc gris pour pas qu'on voie le code ping. Donc ce qui est vraiment très très bien. Voilà. Donc alors vous prenez une pièce et vous grattez. Voilà. C'est comme un peu pour les grenades. Donc voilà. Donc alors une toute, mais toute petite notice qui fait même pas une page, voilà. C'est une petite notice de un petit truc comme ça qui a 0 page à l'intérieur. Vous avez la première de couverture et voilà, c'est enfin voilà quoi. Un livre comme ça avec aucune page. Voilà, c'est vrai que là en mode de notice bon après vous avez bien sûr les notices qui sont les notices qui sont mis à l'intérieur, mais pour une notice quand même, aucune page à l'intérieur. Voilà, donc qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça c'est des petites pubs. Donc les petites pubs de jeux qu'ils nous montrent à chaque fois que dès qu'on prend un jeu. Voilà, des petites pubs à chaque fois, voilà. Ça c'est les petites pubs. Et après, bah, un truc de Nintendo 3DS. Donc c'est quoi? C'est les informations importantes. Et voilà, bon bah je vais en mettre dedans. Donc alors ça va être le prochain jeu que je vais montrer dans mon prochain déballage. Voilà. Juste pour vous dire. Donc l'héritage d'Aslan. Voilà. Et bah voilà, donc ça le truc. Donc ça, alors si vous ne savez pas ce que c'est en fait c'est quand vous vous connectez au club Nintendo, vous grattez le petit truc là. Ça. Et après, bah vous prenez le code. Et après, bah, vous pouvez gagner des trucs, des petites figurines, enfin voilà, plein de cadeaux, enfin voilà, plein de trucs, voilà. Avec des points étoiles, enfin voilà. Et vous avez ça à chaque jeu. Et nous allons prendre la petite cartouche. Voilà, Professeur Layton et Héritage des Aslantes. Alors on voit Professeur Layton, oh mince, Professeur Layton et l'Héritage des Aslantes, voilà, avec un petit fond. Derrière qui a attendez je vois pas trop ouais avec des petits symboles voilà c'est assez bien pas mal voilà hop et bon et là je suis un peu déçue c'est que dans les carrés voilà ils ont rien mis dommage qu'ils ont pas mis des petits dessins et tout ça et non c'est ils ont rien mis voilà là dans les carrés souvent ils mettent des choses mais ils en ont pas mis bon bah j'espère que cette vidéo
du déballage de la boîte de professeur Layton et l'héritage de la cendre vous aura plu. Je ferai des tests, bien sûr, sur le jeu, comme pour Pokémon X. Bon, je vous expliquerai tout sur l'autre jeu dans une prochaine vidéo. Voilà. Mais bon, bah voilà. Et on peut voir, bien sûr, qu'il est déconseillé au moins de 7 ans. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!